Bonsoir tout le monde. Je vais vous présenter ce soir, c'est la santé mentale. Je vais me présenter pour commencer. Mon nom est Cécile Goulette, je suis de la région du Restigouche, dans la région 5. Je travaille pour l'Association canadienne pour la santé mentale. Je suis coordonnatrice en éducation communautaire. Puis ce soir, mais c'est ça, je vais vous présenter un aperçu de la santé mentale. Comment prendre soin un peu de sa santé mentale? On va aller avec ça. Puis, si je regarde au niveau de la santé mentale, c'est de quoi que ça s'agit? Ça, qu'est-ce que c'est que ça fait, ça? C'est quoi que ça mange sur la santé mentale? Puis comment est-ce qu'on peut prendre soin puis avoir une bonne santé mentale? Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Ça fait qu'on va parler de ça à soir. Si je vous parle un peu de l'Association canadienne pour la santé mentale, c'est un organisme de bienfaisance nationale. Ça contribue au maintien et à l'amélioration de la santé mentale de tous les Canadiens et Canadiennes. Puis à la CSM du Nouveau-Brunswick, l'association, c'est les abréviations qu'on utilise pour l'Association canadienne pour la santé mentale. Fait que si vous m'entendez dire ACSM, c'est ça que ça veut dire. On facilite l'accès aux ressources dont les gens ont besoin pour renforcer leur résilience, aussi de favoriser leur établissement aussi à la suite d'une maladie mentale. Puis on investit beaucoup d'efforts puis de l'importance pour sensibiliser le public à la santé mentale puis aussi les renseigner sur les maladies mentales. Ça fait qu'on fait beaucoup de webinaires aussi qui touchent la santé mentale et aussi les maladies mentales. Quand on parle d'anxiété, de dépression ou des choses comme ça, on a des webinaires qui sont spécifiquement là-dessus aussi. Puis aussi, qu'est-ce que c'est qu'on essaie de faire aussi, c'est d'essayer de faire tomber les préjugés. Puis ça permet aux gens d'aller chercher de l'aide sans se sentir discriminés. Ça, c'est vraiment important. Puis je pense que plus qu'on en parle de la santé mentale, plus de gens vont aller chercher pour de l'aide. On va chercher de l'aide facilement quand c'est pour un problème physique. Mais quand ça va pas bien avec nous mentalement, qu'on vit des choses qui sont difficiles, mais il y a de l'aide qui existe dans chacune de nos communautés, puis on est capable d'aller chercher ces services-là. Puis les services en santé mentale, au centre de santé mentale, c'est des services qui sont gratuits. Puis ça, je pense que les gens pensent des fois que ce qu'il y en a, il faut qu'ils payent. Mais non, c'est des services qui sont gratuits. Puis on sent que la société est en train de prendre un virage vraiment positif, mais on sait qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Et, on est soucieux d'offrir des programmes et des services de qualité, puis bien décidé à promouvoir notre vision pour avoir des personnes mentalement saines dans une société qui est saine. Fait que c'est ça qu'on travaille beaucoup à la CSM, c'est pour essayer d'enrayer les préjugés, essayer d'aider les gens le plus possible dans le quotidien aussi. Si qu'on regarde au niveau des services qui sont offerts, il y a 18 régions au Nouveau-Brunswick où ce que c'est qu'il y a une coordonnatrice en éducation communautaire. Dans la région de Grand-Sault, il y a un coordonnateur en santé mentale. C'est lui qui est avec moi ce soir, ça fait que c'est comme le fun. Fait qu'il y a des services dans votre région aussi. Puis, si vous allez sur le site de l'Association canadienne pour la santé mentale, vous allez trouver dans toutes les régions, c'est qui la personne qui dessert votre région aussi. Ça fait qu'on est 11 coordonnateurs, coordonnatrices en éducation communautaire. On a des programmes aussi, des coordonnateurs de programmes aussi dans les grandes régions, qui est à Fredericton, Moncton et Saint-Jean aussi. Fait que il y a ces services-là qui offrent beaucoup de services aussi, de programmes que vous pouvez avoir quand je parle de vivre sa vie pleinement. Il y a les enfants et le stress. Fait que c'est tous des programmes que vous pouvez aller visiter sur le site de la CSM, puis vous allez avoir toutes ces informations-là. On a aussi un programme provincial de soutien pour les pères, puis il y a aussi le programme d'aide à l'emploi. Puis ça, ce programme-là, c'est pour fournir aux personnes les compétences nécessaires pour entrer sur le marché du travail, puis pour obtenir un emploi qui va être significatif, puis aussi à long terme, qui peuvent pas y avoir un job à plein temps, puis qui, à son tour, ces gens-là vont être capables d'améliorer leur santé mentale, ça va améliorer aussi la santé physique,
Ça va réduire aussi les hospitalisations. Ça offre un meilleur mieux-être financier, un meilleur bien-être financier, puis ça permet l'intégration communautaire aussi. Fait qu'on pense que des gens qui seraient atteints de maladies mentales ne peuvent pas travailler. Mais oui, je veux dire, on passe tout par là quand on a un emploi, quand on travaille. Ça a des effets bénéfiques sur notre santé mentale, sur notre estime de nous autres-mêmes, sur notre confiance, ça fait sur notre bien-être en général. Puis si je vous dirais, l'année passée, à la CSM du Nouveau-Brunswick, on a desservi à peu près et un peu plus de 75 000 personnes. Ça fait qu'on touche beaucoup de gens dans chacune de nos régions en offrant des services. Puis les services qu'on offre, la plupart de ces services-là sont gratuits. Fait que les gens peuvent, les sessions qu'on présente, des sessions d'une heure, une heure et demie, c'est des sessions qui sont gratuites que les gens peuvent venir quand que, physiquement, quand on peut, mais qu'on soit déconfiné aussi, c'est des sessions qu'on va recommencer à donner aussi à la population en général, qu'on va pouvoir tout de suite, c'est comme impossible parce qu'on ne peut pas être beaucoup de personnes en même temps, mais ça va venir aussi. Si je regarde, qu'est-ce que la santé mentale? Mais on sait que la santé mentale, ça fait partie intégrante de la santé. Puis on dit souvent, il n'y a pas de santé sans la santé mentale. C'est parce que la santé mentale, c'est déterminé par une série de facteurs qui est socio-économique, ça peut être biologique, ça peut être environnementaux aussi. Puis selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la définition de la santé mentale, les autres définissent ça comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, puis de travailler de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à sa communauté. Fait qu'il est essentiel pour nous de protéger, de rétablir, de promouvoir la santé mentale et le mieux-être, parce qu'ils sont en relation étroite. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Les deux sont ensemble. Puis avec notre capacité à penser en tant qu'être humain, on est capable de ressentir des émotions, on est capable d'interagir avec les autres, puis on est capable aussi de gagner sa vie, puis de profiter aussi de la vie. Ça fait que le niveau de santé mentale d'une personne, ça peut être influencé par ces facteurs-là, les facteurs sociaux, psychologiques, biologiques, à tout moment. Fait qu'on ne sait jamais quand ce que c'est. Il n'y a personne qui est à l'abri d'un problème de santé mentale parce qu'on vit tous du stress, on vit des deuils, on vit des pertes, on vit des choses qui peuvent être difficiles. Fait que notre santé mentale peut être affectée aussi par rapport à ça. Si que je vous donnerais quelques exemples, si je regarde au niveau social, par exemple, c'est des conditions de travail, si on a des conditions de travail qui sont stressantes, la discrimination fondée sur le sexe, l'exclusion sociale, c'est le mode de vie, un mode de vie malsain, le risque de violence, des mauvaises santé physiques, violation des droits humains. Ça, c'est des choses qui affectent notre santé mentale aussi. Puis si on regarde au niveau psychologique, les facteurs psychologiques, la personnalité spécifique qui rendraient les gens vulnérables, plus vulnérables aux troubles mentaux. On a aussi au niveau biologique les facteurs génétiques qui pourraient créer un déséquilibre chimique dans le cerveau. Puis aussi, il y a l'hérédité aussi. Puis ça, le contrôle du déséquilibre chimique, des fois, on n'a pas grand contrôle là-dessus, comme on n'a pas grand contrôle sur l'insuline qui est produite par notre pancréas. Donc, des fois, on a besoin d'avoir un traitement, on a besoin d'avoir des médicaments, puis c'est correct ça. On a besoin de ça. Si on regarde, on va examiner un peu, c'est quoi qui peut avoir une influence sur notre santé mentale? Si on regarde, on a la résilience. Est-ce qu'on est résilient? Est-ce qu'on a beaucoup de résilience ou pas beaucoup de résilience? Est-ce qu'on a un équilibre entre notre vie personnelle puis notre vie familiale ou privée, notre vie personnelle? Notre attitude, est-ce qu'on a une attitude positive ou négative? Il y a aussi la pleine conscience. Est-ce que je suis capable de m'asseoir puis être dans le moment présent? Tu sais, de vraiment me concentrer au lieu de penser au passé, au futur, que je n'ai pas grand contrôle dessus, mais d'avoir la pleine conscience, de profiter du moment présent. Est-ce que je suis capable de faire ça? Ça a une influence sur notre santé mentale aussi. Ça nous donne une petite pause des défis ou des choses qu'on vit.
l'estime de soi aussi. Est-ce que mon estime de soi est bonne? Est-ce que j'ai besoin de l'améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire? Ça aussi, ça a un effet sur notre santé mentale, notre santé physique aussi. C'est toutes des choses qui peuvent influencer notre santé mentale. Est-ce que j'ai une bonne santé physique? Ou est-ce que peut-être qu'il y a des choses que je suis capable de faire aussi qui peuvent améliorer ma santé physique? Ça, c'est toutes des choses qui ont une influence sur notre santé mentale. Puis, si on regarde au niveau de la résilience, qu'est-ce que la résilience? Mais on dit que c'est la capacité de se remettre rapidement de ses difficultés. C'est de la ténacité, on est tenace. Tu sais, il y a quelque chose qui nous arrive, ça nous bouleverse, ça peut nous jeter en terre, mais on a quand même de la résilience, assez qu'on est capable de se remettre sur pied rapidement, puis d'affronter ces choses-là, puis de continuer à avoir une bonne vie. Fait que la résilience, ça signifie de faire face aux problèmes, au stress, puis aux autres situations difficiles qu'on peut vivre. Puis, je dirais, dans ces temps-ci, on a besoin de beaucoup de résilience parce que il y a beaucoup de choses qui se passe, puis on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas contrôler le virus, on ne peut pas contrôler, il y a beaucoup de choses. Mais la chose qu'on peut contrôler, c'est comment est-ce que moi je vais réagir à ça, comment est-ce que moi je vais faire face à ça. Puis la résilience, ça va être d'être capable de m'organiser puis faire des choses que je suis capable de faire. Malgré les restrictions, malgré les choses qui se passent. Fait que les problèmes et les stress, on sait que ça fait partie de la vie normale. Ça, on ne s'enclare pas. Le stress, il va être là, puis il va toujours être là aussi. Mais c'est comment est-ce que j'y fais face? Est-ce que je peux aller trouver des trucs? Puis ça, je pense qu'on va regarder ça aussi un petit peu. La résilience, c'est ce qui nous aide à regarder une situation de façon réaliste, puis à agir pour nous, quand on est capable d'apporter des changements, puis être capable de lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, comme il y a certaines choses dans ce temps-ci qu'on ne peut pas contrôler, c'est d'être capable de lâcher prise, tu sais, puis d'être capable de reconnaître les soutiens qu'on a dans notre vie. Est-ce que j'ai beaucoup de soutien à l'entour de moi, de voir ça? Puis, on peut se faire comme, je dirais, comme j'appelle ça un coffre à outils, une trousse à outils de résilience. Puis, dans cette trousse-là, on pourrait inclure, par exemple, des compétences comme être capable de la résolution de problèmes. Ça, c'est une compétence qu'on peut mettre dans notre trousse de résilience. Parce que quand on est capable de résoudre des problèmes, bien, on est capable de faire face à plein de choses, fait qu'on est plus résilient. L'affirmation de soi, être capable de s'affirmer, dire que quand il y a des choses qui me plaisent pas, que j'aime pas, que je sois capable de l'affirmer, de le dire, moi, regarde, ça, je suis pas correct avec ça, je suis pas bien avec ça, puis d'être capable de prendre sa place aussi. L'équilibre entre les obligations puis les attentes aussi. C'est sûr qu'on a des obligations, on a des attentes aussi, mais d'essayer de trouver un équilibre entre les deux, parce que là, on a des obligations au travail, on a des obligations aussi familiales, puis beaucoup de gens tout de suite travaillent à la maison, donc ça peut être un peu plus difficile aussi pour ces gens-là de, tu sais, pour s'organiser. Moi, je me considère vraiment chanceuse parce que je suis capable d'avoir mon petit bureau, ma petite place à moi-même, puis je suis capable de travailler à la maison, puis j'ai pas de distraction. Fait que ça, c'est un plus pour moi, mais sinon, j'ai d'autres des collègues aussi, où ce que c'est qu'ils ont des familles puis tout ça, il faut que tu jongles avec les enfants, le conjoint, la vie de travail, tout ça. Ça fait qu'il faut que tu t'adaptes quand même à plusieurs choses aussi, là. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut avoir aussi. Puis aussi, se développer un réseau de soutien. Fait que ça, c'est vraiment important d'avoir un réseau de soutien, même si on n'est pas là physiquement. Je veux dire, on a le Facebook, on a le FaceTime qu'il appelle. Après ça, on a le Skype qu'on est capable de parler avec les gens, même si on n'est pas là physiquement, on est capable de quand même d'avoir une interaction pareille, puis de parler de qu'est-ce que c'est qu'on vit, qu'est-ce que c'est qu'on trouve difficile, puis ces choses-là. Fait que ça, c'est fun pareil. Fait qu'on est chanceux quand même avec tout ça qu'on est capable de garder des liens pareils avec les gens qui sont proches de nous autres. Puis de demander de l'aide aussi, parce que les services, il y a beaucoup de services qui sont ouverts aussi, qui ne sont pas fermés. On est capable d'apprendre aussi sur ces compétences-là en ligne. On est capable d'avoir des livres. On peut aller chercher des livres, soit en ligne. Il y a des bibliothèques, je pense, virtuelles qu'on est capable d'avoir des livres. Ça peut être aussi auprès des organismes communautaires, tu sais, ou ça peut être aussi avec votre fournisseur de soins.
qui ont peut-être des pamphlets, des petites choses qui peuvent aider à voir ça. Puis aussi sur l'Internet, on peut aller chercher plein de choses aussi. C'est juste de s'assurer d'avoir les bonnes ressources puis les bons sites sur l'Internet pour aller chercher ces informations-là. C'est de se réserver du temps aussi pour réfléchir aux outils de résilience que vous avez déjà. Parce qu'on a tous des outils de résilience dans notre coffre. Tu sais, puis des fois, on ne prend pas le temps peut-être de les regarder comme il faut. Puis des fois, ça peut être une compétence qu'on a de résoudre des problèmes. Tu sais, il y a des personnes ou qu'il y a des personnes qui sont capables de vous aider. C'est qui les personnes qui sont capables de m'aider quand que je vis quelque chose de difficile? Ça fait que ça, c'est dans mon réseau de soutien. Ça peut être dans ma coffre, ma trousse à outils, dans mon coffre d'outils de résilience. Qu'est-ce que je peux appeler quand que j'ai besoin d'aide? Puis d'essayer de garder cette liste-là proche de vous, tu sais, puis de les utiliser comme aide-mémoire quand vous en avez besoin. C'est tout le temps le fun d'avoir ça décrit en quelque part. Puis c'est aussi un bon moyen de voir où ce que c'est que vous pourrez vouloir acquérir des nouvelles compétences ou simplement aller chercher de l'aide aussi. Fait que ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. Quand on regarde qu'est-ce que l'équilibre travail-vie personnelle ou conciliation travail-vie personnelle, qu'en est-il de l'équilibre en général? Puis, selon l'Association nationale, l'Association canadienne de la santé mentale, trouver l'équilibre, c'est pas une chose à laquelle on est tout seul à faire face. Si on regarde au niveau des statistiques, ça dit qu'il y a 58% des Canadiens qui déclarent être submergés, c'est-à-dire qu'ils sont surchargés. Dans leurs nombreux rôles, que ce soit à la maison, au travail, dans la famille, avec leurs amis, en matière de santé physique, de bénévolat ou de services communautaires. Ça fait qu'on a comme une surcharge parce qu'on essaie de s'impliquer dans beaucoup de choses. Et des fois, c'est trop, mais il faut faire attention avec où est-ce que c'est qu'on s'implique, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a une surcharge des fois sur nos épaules. Ça peut être difficile, stressant, ça peut avoir un effet sur notre santé mentale aussi. Si on a une quantité modérée de stress, ça peut améliorer notre efficacité puis notre concentration mentale. Mais comment est-ce que je fais pour savoir que le jonglage que j'en fais au quotidien a cessé d'être un défi puis que c'est qui est motivant puis qu'il a commencé à peut-être avoir un effet sur ma santé? Okay? Comment est-ce que je fais pour savoir ça? Fait que je vais vous donner une couple de signes qu'on peut remarquer là-dessus. T'sais, comme si j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle dessus ma vie. T'sais, il me semble que tout est hors contrôle puis j'ai plus de contrôle. Si vous vous sentez souvent coupable de négliger les différents rôles, peut-être qu'on se sent coupable des fois de prendre soin de nous autres pour un 15-20 minutes, une demi-heure, on se sent coupable parce qu'on n'a pas joué avec les enfants ou qu'on n'a pas fait le repas ou qu'on n'a pas aidé quelqu'un d'autre. Ça, c'est des signes aussi parce qu'on a le droit, nous autres aussi, de prendre du temps. Si on veut être bien avec les autres, on doit être bien avec nous autres aussi. Il faut faire des choses pour qu'on soit bien avec nous autres, qu'on peut se ressourcer, qu'on peut avoir de l'énergie pour être capable de donner aux autres aussi. Quand vous avez beaucoup ou souvent du mal à vous concentrer sur les choses que vous avez à faire, t'sais, le manque de concentration, peut-être ça aussi c'est une surcharge que vous avez, peut-être prendre une pause aussi. Quand vous êtes toujours fatigué, même si que, parce que quand on vient trop stressé, des fois le sommeil est perturbé aussi, fait qu'on se lève le matin, c'est comme si on n'aurait pas dormi, fait que ça peut être difficile. Puis un sondage qui a été fait par Desjardins Sécurité Financière, ça a démontré que les questions d'argent, c'est ça qui constituait la principale cause de stress à l'extérieur du travail. Puis on sait que de nos jours, au niveau financier, ça peut être vraiment difficile parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont, je dirais pas perdu leur emploi, mais peut-être que oui, il y en a qui ont perdu l'emploi, mais qui ont arrêté de travailler à cause de la pandémie. Fait que ça, ils ont été restés à la maison, puis peut-être sans rémunération. On sait que le gouvernement donne aussi des argent, fait que ça aide aussi, parce que les billes continuent à rentrer, tout ça, ça fait que ça peut être un stress additionnel aussi. Fait que près de la moitié des répondants ont déclaré que les finances, c'était ça qui était leur principale cause de stress. Fait qu'on peut voir comment est-ce que c'est que ça a un gros impact.
pour être capable peut-être de rester en équilibre, les petits conseils que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'avoir des pauses pour vous-même, c'est tout au long de la journée. Parce que votre productivité, votre efficacité va augmenter si vous prenez des pauses de 10 minutes, peut-être à toutes les heures, si vous avez la chance de prendre une petite pause de 10 minutes. Puis, si vous êtes capable de faire ça, vous allez être beaucoup plus capable d'accomplir des choses, puis d'être peut-être plus motivé à votre travail parce que vous aurez pris une petite pause pour vous, peut-être pour méditer pour 5 minutes, c'est juste pour prendre un petit break. À la fin de la journée, par exemple, se fixer des objectifs pour le lendemain, okay? Des choses que je veux faire le lendemain. Ça fait que ça on n'a pas besoin de rentrer le matin et dire « OK, qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse? » On les a déjà préparés la veille. T'sais. Mais être réaliste aussi quant aux choses que vous êtes capable d'accomplir, puis le temps que vous avez aussi à l'accomplir. Je peux pas mettre une grosse tonne de choses à faire, puis que j'ai juste une heure à le faire. Ça ne marchera pas, ça, puis vous allez vous décourager. Ça va faire sûr que ça que je planifie, que j'ai aussi le temps de le faire. Ça, c'est des choses. Répondez à vos courriels peut-être une fois, deux fois par jour. Ça peut aider aussi. Après ça, former l'application de courriel pour éviter d'être discret. Je sais qu'avant, quand on avait sur nos ordinateurs passé, mais je pense qu'on a changé le système. Toutes les fois qu'on avait un courriel, ça apparaissait dans le bas de la page. Fait que là, tu allais, tu vérifiais. Même si tu étais en train de travailler, tu allais, tu vérifiais le courriel. Mais ça, un coup que tu avais formé le courriel, tu essayais de rentrer dans ton travail, ça te prenait peut-être un 4-5 minutes à être capable de retourner de nouveau dans ton travail. Puis là, s'il y avait un autre courriel qui apparaissait, c'était encore la même chose. Là, je trouve comme c'est correct parce que les courriels n'apparaissent pas. Ça fait que ça me donne la chance de dire, OK, quand j'ai fait ton travail, okay, je vais aller vérifier si j'ai les courriels. Après ça, c'est formé, puis continuer à faire. Comme ça, j'ai pas de distraction avec les courriels qui rentrent constamment. Ça peut être la même chose aussi avec les téléphones cellulaires. Tu sais, comme les messages de Messenger qui apparaissent tout le temps, qu'il y a tout le temps un ping ou un ping. Moi, je vous dirais que je ne suis pas trop bonne là-dessus. Ça fait que moi, il n'y a pas de son là-dessus. Ça fait que même qu'il rentrait, je ne sais pas, il faut que j'aille le voir. Puis des fois, je réponds deux jours après. Je ne suis pas trop technologique avec les cellulaires. Puis c'est correct. C'est correct que je m'accommode bien avec ça. Puis je dis aux gens, regarde, si vous voulez m'appeler, puis vous voyez que je ne répondais pas au texte, appelez-moi à la maison, c'est sûr que je vais l'entendre. Parce que souvent, le téléphone, je l'ai mis en quelque part. Là, tout de suite, je le traîne souvent avec moi parce que je l'utilise pour le travail. Ça fait que je fais sûr qu'il est toujours proche, puis que je peux voir si qu'il y a des gens qui m'appellent, puis des choses comme ça. Mais la plupart du temps, je le ferme. Ça fait du bien aussi de prendre un break de ça aussi. De faire une distinction entre votre travail et le reste de votre vie. C'est protéger vos temps libres en arrêtant les communications électroniques. Fait quand vous êtes avec quelqu'un, formez ça, ce cellulaire-là. Je pense pas qu'il y ait assez d'urgence pour que vous ayez le cellulaire dans votre main pour regarder c'est qui a commenté sur votre Facebook ou qui a mis un like ou quelque chose comme ça. Là. Parce que la personne qui est en avant de toi, c'est elle qui devrait être la priorité. C'est une marque de respect qu'on fait avec ça. Parce que j'imagine que si vous parlez à quelqu'un, que la personne, vous lui parlez de quelque chose qui vous touche, puis que la personne est en train de répondre à quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle vous écoute? Je ne penserais pas. Ça fait que c'est des petites choses qu'on peut faire. De ne pas être disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Ouais. Puis avec les cellulaires, à cette heure, je pense que les gens sont ouverts. C'est le fun le soir de former ça, puis de mettre ça de côté ou laisser ça dans une autre place, puis je répondrai le demain matin. De prendre des vacances, c'est nos vacances. Utiliser nos heures supplémentaires si on a, à moins qu'on accumule des heures supplémentaires pour une occasion spéciale. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire au travail. À la maison, créer une zone tampon entre le travail et la maison. Puis là, tout de suite, ça peut être difficile pour des gens parce qu'on travaille à la maison, puis on reste à la maison. Fait que ça, c'est d'essayer de trouver un équilibre dans tout ça, que quand on finit de travailler, de se mettre à une heure spécifique et dire « OK, j'ai fini ». Puis avant de commencer notre soirée, peut-être d'aller prendre une marche. Là, de prendre une marche ou faire d'autres choses complètement différentes ou sortir de la maison pour faire sûr qu'on prend du temps pour se déconnecter du travail. Puis de reprendre notre soirée, puis que ça soit notre soirée sans travail.
décider quelle tâche qui peut être partagée ou laissée de côté, parce que c'est sûr qu'on a des tâches ménagères. Puis aussi de décider, tu sais, de voir est-ce que j'ai besoin de tout faire ça à soir ou est-ce que je peux entrecouper ça. C'est quoi les tâches essentielles que j'ai besoin de faire? Puis c'est quoi celles qui peuvent attendre? Puis ceux-là qui peuvent attendre, ben non, on peut peut-être les donner à quelqu'un d'autre, ou s'ils peuvent attendre à la fin de semaine ou un plus tard, ben on peut juste les rester de côté. Puis c'est correct aussi. Faire de l'exercice, ça fait du bien aussi. C'est bon pour notre santé physique, c'est bon pour tout le corps en entier, mais c'est aussi bon pour notre santé mentale. C'est très bon pour notre... Ça nous empêche, pour les premiers 5 minutes que tu vas aller marcher, tu as plein d'idées dans la tête, puis après ça, plus que tu marches, tiens, on dirait que les idées commencent à s'éclaircir, puis là, tu commences à plus respirer comme il faut, fait que ça fait du bien. Même si c'est rien 15 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, 15 minutes, ça fait du bien. On va se sentir beaucoup plus énergisé, on va se sentir beaucoup plus détendu aussi. Commencer par peut-être aussi des choses qu'on peut faire, c'est essayer de mettre un petit peu d'argent de côté ou se créer un budget pour essayer de ramasser l'argent. Je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas obligé d'être des milliers de dollars. Des fois, ça peut être juste un 10 $ qu'on met de côté ou un 20 $ qu'on est capable de mettre de côté pour un petit peu plus tard aussi qu'il y a une urgence, qu'on est capable de le faire. Okay? Et c'est ainsi, ça peut être un peu plus difficile. Des choses aussi dans la communauté. Faire des choix, par exemple, les obligations sociales et le bénévolat, des fois, ça nous entraîne dans plusieurs directions en même temps. De choisir celles qui ont le plus, qui sont les plus satisfaisantes, puis aussi d'être capable d'apprendre à dire non. Dire non, puis pas se sentir coupable, parce que vous avez le droit de dire non. Puis ça fait du bien, ça aussi, ça fait partie de prendre soin de notre santé mentale. Fait que si on regarde, qu'est-ce qu'une attitude positive, puis si on regarde ça, on peut pas vivre une vie positive avec une attitude négative. Puis on attend souvent la question, tu sais, votre verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Puis j'avais vu en quelque part que notre verre est toujours plein parce que même ce qui est juste à moitié d'eau, le restant est rempli d'air. Ça fait que notre verre est toujours plein. Puis la façon qu'on répond à cette question-là, sur la pensée positive, ça peut refléter notre vision de la vie. Notre attitude envers nous-mêmes, si on est optimiste ou si on est pessimiste, ça pourrait affecter notre santé mentale. Okay? Si mon verre est toujours à moitié vide puis je vois toujours les choses négativement, ou si mon verre est toujours plein puis je vois souvent les choses, la majorité du temps, je vois les choses qui sont positives. Fait que la pensée positive qui accompagne généralement l'optimisme, ça, c'est un élément clé de la gestion efficace au niveau du stress. Parce que même si on vit des situations difficiles, on est capable de voir le positif dans ces choses-là aussi. Puis, une gestion efficace du stress, c'est associé aussi à beaucoup d'avantages pour la santé. Fait que la pensée positive, c'est pas juste, ça veut pas dire qu'on fait l'autruche, qu'on se met la tête dans le sable puis on voit pas les problèmes qui se passent. Ça veut juste dire qu'on envisage d'aborder les choses qui sont désagréables d'une façon qui est plus productive puis plus positive. Ça fait que c'est ça que c'est. On ne fait pas l'autruche. On est capable d'aborder ces choses-là plus positives puis plus productives. Puis on pense toujours que le meilleur va se produire dans la plupart des choses qu'on va vivre qui peuvent être difficiles. Fait, au lieu de penser au pire, on va penser au meilleur. C'est la même chose comme la pandémie qui se passe. Ah, je peux choisir de dire si j'ai une attitude pessimiste, mon Dieu, on s'en sortira jamais, puis amplifier ça. Ou ça va bien aller, on va s'en sortir. On a vu d'autres des choses qui étaient difficiles. Nos parents ont vu des choses qui sont difficiles. Ils en ont vu des pandémies. Ils ont vu la guerre. Puis ça en est sorti. On est bien aujourd'hui. On a tout ce que c'est qu'ils ont travaillé pour. Ça a changé leur vie à eux autres aussi. Mais mon Dieu, pour le meilleur aussi. Fait que ça va faire la même chose pour nous autres aussi. Et je veux dire, c'est difficile. Oui, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est de l'inconnu. Ça fait peur à tout le monde. Mais on va s'en sortir. Puis on peut voir aussi la résilience des gens dans tout ça. Puis comment est-ce que c'est que les gens s'épaulent? Comment les gens s'entraident? Ça fait que ça va bien aller. Puis moi, j'en suis convaincue qu'on va s'en sortir. Puis on va s'en sortir plus résilient qu'on était peut-être avant aussi. C'est ça qui est le fun. La pensée positive commence généralement par un dialogue avec soi-même.
Puis ça, c'est vrai aussi. Puis ça, c'est notre petite voix ou notre flux de pensée qu'on dit pas, puis qui nous passe par la tête. Toutes les pensées, toutes les idées qui nous passent par la tête, là. Ces pensées-là sont automatiques, mais elles peuvent être positives puis négatives. Puis plus souvent qu'autrement, nos pensées sont négatives. Faut essayer de travailler là-dessus pour essayer de changer ça, pour mettre ça un peu plus positif. Fait qu'une partie du dialogue intérieur, ça provient de la logique et de la raison. Puis l'autre peut provenir des idées fausses qu'on crée parce qu'on a un manque d'information. Des fois, le manque d'information, puis là, on va se prendre des idées, puis ça peut être des idées fausses ou ça peut être des idées négatives. Fait que si vos pensées sont généralement négatives, mais votre vision de la vie va être probablement pessimiste. Mais si vos pensées sont généralement positives, mais probablement que vous êtes une personne qui est très optimiste. Puis penser positivement, ça peut augmenter la durée de vie. Des fois, les personnes, on regarde des personnes qui vivent 100 ans, mon Dieu, puis ils se demandent c'est quoi comment ça se fait qu'ils vivent plus rangés comme ça, qu'ils vivent vieux comme ça. Puis les personnes, si tu les vois, ils ont une belle philosophie de vie, puis ils pensent toujours au positif. Fait qu'il y a des gens qui vivent jusqu'à 80, moi, mon père a vécu jusqu'à 89 ans, puis je pense que si la maladie ne l'aurait pas emporté, il aurait vécu peut-être jusqu'à 100 ans, parce que j'ai des oncles qui ont vécu jusqu'à 100 ans. Fait que c'est quand même bien. Je me dis, j'ai une bonne génétique, fait que si je me rends au moins jusqu'à, moi, je me disais 101, 102, je serais correct. Mais on verra. Le temps va nous le dire. Puis une partie du dialogue intérieur, c'est ça. Quand on pense positivement, c'est ça, ça peut augmenter notre durée de vie. Ça réduit aussi le taux de dépression. Si on pense positivement, ça réduit le niveau de détresse. Ça fournit une plus grande résistance au rhume aussi, au rhume, aux grippes. Ça améliore le bien-être psychologique et physique. La réduction du risque de décès en raison de maladies cardiovasculaires. On a une meilleure capacité d'adaptation aux difficultés puis aux périodes de stress aussi. Fait que ça nous aide aussi. Fait que notre dialogue intérieur, est-il positif ou négatif? Des fois, c'est se poser cette question-là. Est-ce que mon dialogue à moi est négatif ou qui est positif? Est-ce que la plupart des choses, quand que je me parle à moi-même, est positif? Ouais. Puis souvent, j'entends comme un dicton que j'entends souvent quand quelqu'un apprend quelque chose de nouveau, il dit « Ah, je vais me coucher moins niaiseux à soir. » Puis vraiment, c'est pas une bonne façon de penser parce que qu'est-ce que c'est que ça nous dit? Ça dit « Ben, j'étais stupide, mais là, je vais être un peu moins stupide. » Fait qu'on devrait dire « À soir, je vais me coucher plus intelligent à soir. » Qui veut dire j'étais déjà intelligente, mais là je vais être encore plus intelligente. Fait que c'est quand on regarde le négatif, le positif et le négatif, là, de penser positivement, c'en est une, ça. Il y a des exemples par rapport au dialogue intérieur qu'on a pu être négatif. Le filtrage. Okay? Je suis une personne qui amplifie les aspects négatifs d'une situation, puis que je filtre tous les aspects positifs, puis je garde bien les effets négatifs, ou que je filme puis je garde juste le positif. Okay? Au niveau de la personnalisation, c'est quand quelque chose de mauvais qui se passe, est-ce que je me blâme automatiquement? Okay? Je trouve sûr que c'est de ma faute. Okay? Je suis une personne qui dramatise ou qui voit tout comme en catastrophe. T'sais? J'anticipe. Est-ce que je suis une personne qui anticipe toujours le pire dans les choses? Ou est-ce que oui, ça peut être difficile, mais je vais voir le meilleur dans tout ça aussi. Polarisé, je vois les choses quand bien ou en mal. Il y a des gens qui voient, c'est soit noir ou soit blanc. Il n'y a pas de zone grise. Puis souvent, dans la zone grise, c'est là qu'on a toutes nos réponses. Parce que je pense pas qu'il y ait des choses qui soient juste blanc ou juste noir. Ben, c'est sûr du linge, là, mais à part de ça. Il y a toujours une zone grise où ce que c'est que on peut changer. Il est possible d'apprendre puis à transformer les pensées négatives en pensées positives. Puis ça prend du temps. Ça prend de la pratique. C'est de la pratique. C'est de le faire, ça, pour être capable de créer une nouvelle habitude. Puis pour être capable d'y arriver, c'est d'essayer de voir c'est quoi les domaines que je devrais changer dans ma vie. Si que je veux être plus optimiste puis penser plus positivement, je devrais commencer peut-être par identifier les domaines dans ma vie dans lesquels ou ce que c'est que moi je pense souvent ou généralement de manière négative. Que ça soit dans mon travail, que ça soit dans mes déplacements, que ça soit dans ma vie familiale, que ce soit dans ma relation.
C'est des choses que je suis capable d'identifier. De commencer par des petites choses en se concentrant sur les domaines que je suis capable d'aborder plus positivement. T'sais, se surveiller, arrêter, de s'arrêter régulièrement dans la journée, puis d'évaluer les pensées, d'évaluer mes pensées. Puis si je m'aperçois que mes pensées sont surtout négatives, peut-être de changer ça, puis de regarder pour des façons pour les rendre plus positives. Soyez ouvert à l'humour. Mon Dieu, c'est merveilleux, l'humour. Donnez-vous la permission de sourire ou de rire, surtout dans les moments difficiles. T'sais, on trouve dans des moments difficiles, parce que c'est qu'on n'a pas le droit de rire. T'sais, par exemple, je dirais dans des funérailles, on dirait que c'est comme on s'empêche de rire parce que c'est pas supposé d'être gai. C'est pas supposé, on n'est pas supposé de rire là. Mais oui, parce que ça enlève le stress, puis ça diminue la tension. Ça fait qu'on est capable de rire aussi dans ces temps-là. Quand on vit des choses qui sont difficiles, parce que quand on vit des choses qui sont difficiles, qui sont stressantes, quand on peut avoir un bon rire, après ça, c'est comme, mon Dieu, ça nous a détendu, ça nous a fait du bien. Se donner la permission de faire ça. Chercher de l'humour à tous les jours. Des choses qui vous font rire. On va être moins stressé, puis d'être capable de rire de la vie aussi. Mon père disait toujours, si tu ne vaux pas une risette, tu ne vaux pas grand-chose. Ça voulait dire d'être capable de rire de soi-même, de ne pas trop se prendre au sérieux. Et ça, c'est des bonnes choses. Adopter un style de vie sain. D'essayer de faire des exercices au moins 3 fois par semaine. Ça peut influencer notre humeur. Puis ça va réduire le stress aussi. Puis d'exercice, quand même, c'est juste d'aller prendre une petite marche, prendre l'air. Ça n'a pas besoin d'être des gros exploits, hein, des petites choses, puis ça fait du bien. Puis surtout dans ces temps-ci, durant la pandémie, puis moi, j'ai trouvé ça très, très bénéfique parce que je travaille à la maison, puis je reste à la maison pour les confiner, puis on dit. Mais de sortir, puis d'aller prendre une marche, ça en fait des merveilles parce que je me sens toute ravigorée, puis j'ai plein d'énergie, puis ça va bien. Fait que ça fait du bien pour ça. Assurez-vous que les personnes qui font partie de votre vie sont des personnes qui sont positives. Puis c'est des personnes qui vous soutiennent quand vous vivez des choses qui sont difficiles. Puis qu'on est capable de compter sur eux autres si j'ai besoin des conseils, ou des commentaires, d'y poser des questions, d'y demander des choses. Parce que les personnes négatives, ils vont vous faire douter de votre capacité à gérer efficacement votre stress. Puis ça va risquer d'augmenter. Ça va pas juste risquer, ça va augmenter votre stress aussi. Ça fait que des fois, les personnes négatives, on peut l'avoir dans notre entourage, mais peut-être de moins passer de temps avec eux autres. Parce qu'ils vont venir chercher puis gruger notre énergie. Pratiquer un dialogue intérieur positif, c'est de respecter une seule règle. Je vous dirais, ne vous dites rien à vous-même que vous ne direz pas à votre meilleur ami, ou à votre conjoint, ou à votre ami, à votre soeur. Ne vous dites-le pas à vous-même. Si vous n'êtes pas capable de le dire à quelqu'un d'autre, dites-vous-le pas. Soyez gentil et encourageant envers vous-même. Si vous avez des pensées négatives, examinez-les de manière rationnelle. Répondez par des affirmations sur des choses qui sont bonnes pour vous. Ça, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, c'est s'occuper de soi-même. La pleine conscience, c'est quoi la pleine conscience? Puis comment est-ce qu'on est capable de pratiquer ça? Ça vous a-t-il déjà arrivé d'essayer de travailler sur un projet, puis qu'il y a toutes sortes de pensées qui sont associées à d'autres domaines de notre vie qui nous envahissent l'esprit, puis ça nous empêche de se concentrer sur des tâches qu'on veut accomplir? Bien, ce genre de distraction-là, ça peut être incapacitant, parce qu'on a plein d'affaires qui puis la tête nous bourdonne. Ça peut indiquer qu'on a un trouble déficitaire d'attention, ce qu'on appelle le TDA. Ou peut-être que c'est d'autres choses aussi, mais il y a des traitements pour ça aussi. Puis où on peut développer des stratégies d'adaptation par rapport à ça. Ça peut être également aussi des signes d'un autre problème, ou c'est peut-être même juste, puis il y a des fortes chances que c'est ça que c'est, qu'on a simplement trop de choses dans notre tête, puis on a de la misère à avoir un soulagement durable dans l'heure qui suit. Fait que c'est d'essayer de regarder tout ce que c'est qui se passe dans notre tête. Puis des fois, notre tête, on en fait des choses, là. Puis une chose qu'on est capable de faire, c'est de prendre une feuille de papier puis tout écrire ça, tout ce qui nous passe par la tête. Tout ce que c'est qui nous passe par la tête, nous prendre une feuille, si on a besoin de 2 feuilles, le mettre sur 2 feuilles. Puis on peut, après ça, prendre une autre feuille puis écrire 3 colonnes.
C'est par trois colonnes. Puis, dans les trois colonnes, on peut lui donner un titre. Les choses à faire, les choses qu'on peut peut-être faire plus tard, parce que les choses qu'on peut supprimer, qu'on peut vraiment déléguer. Okay? Ça fait qu'après ça, on prend ces feuilles-là, puis on regarde les feuilles qu'on a écrites, tout ce que c'est qui nous a passé par la tête. Puis, dans ces trois colonnes-là, on va commencer à les trier. Okay? On va prendre peut-être les éléments de la colonne à supprimer. Fait, quand on a toutes mis les choses qu'on voulait supprimer dans la colonne supprimée, bon, ben, on jette la feuille. C'est fini. Ça, c'est supprimé, on n'en revient plus, ça ne vient plus nous tanner. Peut-être les choses de prendre les choses que, dans la colonne de peut-être. Hein? Puis les mettre sur une liste pour peut-être plus tard. Puis si vous n'avez pas une liste, ben, on peut en commencer une. Puis après ça, prenez les éléments de la colonne à faire, puis placez-les dans votre système de planification. Puis vous pouvez vous créer un système de planification, comme en anglais, il y a besoin de to-do list, mais des choses à faire. Ça fait que, puis ça, c'est un processus qui fait souvent des merveilles pour les gens, parce que ça nous permet de nous dégager le cerveau. Okay? C'est aussi simple comme ça peut être, mais ça peut être facile de mal comprendre certaines étapes, mais c'est pas compliqué. On fait ces trois colonnes-là, puis on va. Puis quand on dit tout signifie tout, là, je veux dire tout ce qui vous passe par la tête qu'on met sur cette feuille de papier-là. Okay? Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut faire quand vous avez écrit tout ce que c'est qui vous a passé par la tête, dans l'esprit? Puis ça, quand que je parle de tout ce que c'est qui vous passe par la tête, je veux dire aussi les tâches qui sont inachevées, les voyages que vous voulez faire. Ça, on met tout ça dans cette liste-là aussi. Les personnes que vous devez contacter ou que vous voulez contacter, les compétences que vous souhaitez développer. On met ça dans notre liste aussi. Ça peut être dans une des trois colonnes, les deux colonnes. Après ça, les sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus. Puis, y a-t-il des choses que j'aimerais savoir? Bon, c'est peut-être plus tard, mais on peut le mettre dans cette liste-là. Les domaines dans lesquels vous manquez de confiance, par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, notre apparence physique. Peut-être que je veux perdre du poids, peut-être que je veux, je sais pas moi, peut-être de faire connaissance, puis aussi peut-être de connaître juste mes compétences. C'est quoi qui sont mes compétences? Ça fait que ça, c'est toutes des choses qu'on est capable de mettre ça dans ce liste-là. Les regrets qu'on a eus sur les choix qu'on a faits dans le passé. Les rêves de ce que c'est que vous feriez différemment si vous pouvez remonter dans le temps. Ça peut être des choses qu'on peut mettre là-dessus. Si on serait capable de commencer à zéro, qu'est-ce que je ferais? Okay? Fait que les façons que vous vous sentez coincé dans votre vie. Y a-t-il y a-t-il Vous sentez-vous coincé dans votre vie? Puis dans quel domaine vous vous sentez coincé? Les conflits interpersonnels, si on est capable de mettre ça sur la liste aussi. Les réparations qu'on veut faire, peut-être dans la maison, qu'on veut changer les armoires, qu'on veut faire des choses, des idées de rénovation. Les choses que vous n'êtes pas satisfait, par exemple, puis que vous voulez changer. Ça peut être dans la maison, ça peut être, puis là, le printemps s'en vient, des fois, quand la fièvre du printemps nous pomme, on veut changer des affaires. Fait que ça, pareil, on peut tout mettre ça. Les objectifs que d'autres personnes veulent que vous poursuivez. Okay? Est-ce que je vais mettre ça dans ma liste de choses à faire, choses à faire plus tard, ou je vais la mettre dans le supprimé? Okay? Les inquiétudes concernant l'économie. On s'inquiète pour nos proches, les habitudes que vous aimeriez prendre ou abandonner. Fait que c'est toutes ces choses-là, toutes les choses qui sont en compétition pour attirer votre attention. Et tout ce que c'est qui attire votre attention, on le met sur un papier. Puis, si vous voulez avoir l'esprit clair, faut que vous fassiez face à tout ça. Fait que vous les regardez tout ça en face. Puis quand ils sont décrits, on est capable de les voir, ces choses-là. On est capable de les démêler. Puis, quand on est sollicité de manière beaucoup de cette manière-là, il y a beaucoup de gens qui commencent à réaliser pour la première fois comment est-ce que c'est qu'ils ont des choses qu'ils ont laissé s'accumuler dans leur esprit. T'sais, des fois, ça peut être des choses du passé qu'on a laissées puis qu'on a traînées. C'est comme une poche qu'on traîne sur notre épaule. C'est rouvrir le sac puis débarrasser ce que c'est qu'on n'a pas de besoin. T'sais, de régler ce que c'est qu'on n'a pas de besoin. Puis on commence à se rendre compte aussi qu'une grande partie de ce désordre-là, c'est des choses des fois qu'on ne peut pas rien faire avec. C'est passé, on n'a plus de contrôle là-dessus. Ou ça peut être des choses qui sont dans l'avenir, mais on n'a pas de contrôle là-dedans non plus. T'sais, le seul contrôle qu'on a, c'est aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce que c'est qu'il va faire. Ça fait que les seules choses qu'on peut faire, c'est juste de garder les choses qu'on est capable de faire dans le moment. T'sais?
Puis ça peut prendre souvent beaucoup d'espace dans notre esprit, puis ça nous demande l'énergie, ça nous ronge notre énergie. Fait que ça, c'est un petit exercice qu'on est capable de faire, puis ça aide énormément de faire cet exercice-là. Si on regarde l'estime de soi, c'est quoi l'estime de soi, puis qu'est-ce que ça mange? Qu'en est-il de la valeur personnelle, de notre valeur personnelle? L'estime de soi, ça ne se limite pas à juste avoir des bonnes qualités. C'est d'être capable de voir toutes ses capacités, toutes ses faiblesses ensemble. Puis on a toutes des capacités, puis on a toutes des faiblesses. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie de nous autres. Puis d'être capable les accepter, puis de faire du mieux qu'on peut avec ce que c'est qu'on a. L'estime de soi, c'est reconnaître nos talents, c'est de reconnaître nos capacités. C'est de reconnaître qu'on est unique, puis d'être capable d'utiliser cette confiance-là pour vivre, pour suivre nos objectifs, nos intérêts, sans nous comparer aux autres. T'sais, on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Puis, ça que je fais souvent pour la valeur, c'est quoi ma valeur? Si je prendrais un 20 $, puis je dirais, il y en a-tu de vous autres qui prendraient ce 20 $-là? Okay, probablement qu'il y en a qui diraient oui. Bon, mais si je le prenais, puis je le froisse tout dans mes mains, puis je le tire en terre, puis je marche dessus, puis il est tout sale, puis tout ça, puis je le prends dans mes mains, puis je vous dis, ben, le prendriez-vous? Mais la majorité de vous autres diraient, moi, je le prendrais, oui. Pourquoi je le prendrais? Mais c'est parce qu'il vaut 20 $. Si je vais au Walmart, je vais au magasin, je vais être capable d'acheter des choses pour 20 $. Il n'a pas perdu sa valeur. Mais notre valeur personnelle à nous autres, la valeur qu'on se donne, elle ne change pas. Peu importe que si qu'il y a des gens qui nous ont négligés, qui nous ont réprimés, qui nous ont bafoués ou maltraités, ils peuvent pas enlever notre valeur. Notre valeur, c'est nous autres qui se la donnent. Ça fait qu'on la garde, notre valeur. Puis une petite chose, une petite activité qu'on peut faire pour soi-même, c'est quoi que vous faites le mieux? Il y a les talents, c'est quoi les talents que vous avez? Puis peut-être les écrire. Des fois, si on n'est pas, on ne sait pas trop comment, c'est quoi nos talents, demandez à votre ami, demandez à une de vos soeurs, votre frère, OK, c'est quoi tu trouves que je suis capable de bien faire? Puis souvent, les autres, ils vont nous aider. C'est quoi qui sont mes compétences, mes centres d'intérêt? C'est quoi comme moi, c'est quoi qui m'aspire, c'est quoi qui m'allume, c'est quoi qui me donne l'énergie? Puis, demandez à un ami comment est-ce que lui vous décrirait comme personne. Puis ça, c'est un bel petit exercice. Moi, je l'ai fait avec mes soeurs, puis c'est pas croyant, puis les autres n'en revenaient pas, qu'ils disaient, oh mon Dieu, c'est-tu vrai, c'est une même que tu me vois. Mais ils voyaient pas ces qualités-là en eux autres mêmes. Puis mon Dieu, ils ont des grandes qualités. Nous autres aussi, on a des grandes qualités. Puis souvent, on les voit pas, on les regarde pas. Parce que, on peut regarder aussi nos points faibles. C'est quoi qui sont nos difficultés? C'est quoi qui nous frustre? T'sais, la liste, ça peut être. Puis je suis sûre que si je vous demanderais c'est quoi vos défauts, c'est quoi vos difficultés, cette liste-là serait facile à écrire. On serait capable d'en écrire une grande liste. Construire, on est capable de construire notre confiance en développant nos points faibles, puis en nous rappelant régulièrement les choses à laquelle on est bien dedans, puis qu'on est bon, puis qu'on est fier avec. T'sais? Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire, qu'on a du contrôle dessus. Qu'est-ce que la santé physique? T'sais, comment notre santé physique influence-t-elle notre santé mentale? Puis le corps et l'esprit, mais c'est relié. T'sais, on est relié, c'est un tout. On ne peut pas décoller notre tête dessus notre corps, c'est pris ensemble. Puis quand on commence à améliorer notre santé physique, on commence à avoir une meilleure santé mentale aussi. Parce que l'exercice, ça renforce non seulement notre corps et nos poumons, mais ça permet aussi à notre corps de libérer des endorphines. Ça, c'est un produit chimique que notre cerveau nous donne. C'est ça qui nous donne de l'énergie, qui nous remonte le moral. T'sais, des conseils que je peux vous donner par rapport à ça, c'est reposez-vous suffisamment. T'sais, d'avoir une bonne santé mentale et émotionnelle, c'est important de prendre soin de son corps. T'sais, de se reposer suffisamment, de bien dormir. Ça implique de dormir t'sais, au moins 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Puis ça, si on peut dormir nos heures qu'on a besoin de dormir, on va avoir une meilleure capacité. Renseignez-vous sur l'alimentation. Non seulement juste apprendre, mais de la mettre en pratique aussi. T'sais, de manger des bonnes choses. Essayez de manger le plus nutritif possible. Parce qu'on sait qu'au niveau de la nutrition, ça peut être compliqué, puis c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Mais on est capable d'apprendre à manger de façon saine.
Parce que ça va affecter notre niveau d'énergie et notre humeur aussi. Si on mange trop gros, on va se sentir plus alourdi, ça va être plus pesant, tout ça. C'est des choses qu'on est capable. Il y a des nutritionnistes aussi qui donnent des conseils, c'est gratuit, ça aussi. L'exercice, je le mentionne souvent, mais c'est une des meilleures choses qu'on est capable de faire. Ça va aider contre l'anxiété, la dépression, qui est une dépression légère ou modérée. Ça va aider, ça aide au stress. C'est un puissant antidote contre le stress, l'anxiété puis la dépression. Essayez d'avoir des petits moyens d'augmenter votre capacité physique dans la journée. Peut-être utiliser les escaliers, profiter de l'exercice. Ça va bien faire 10, 15, 20, 30 minutes par jour d'exercice. Puis quand il y a des journées ensoleillées comme ça, de sortir dehors le soleil. Le soleil, ça améliore notre humeur. C'est comme la semaine, quand le soleil est sorti, c'était comme wow. Là, il y a l'autre année, justement. Fait que là, on est comme plus, oh, ça va être plus massant. Mais le soleil nous réveille, nous donne, nous énergise. Puis on peut être au moins au soleil 15 minutes par jour parce que c'est là qu'on prend notre dose de vitamine D. Fait que, puis ça peut se faire en faisant des exercices, en socialisant, en jardinant, en faisant d'autres choses. T'sais. On est capable de se mettre une chaise préférée entre la fenêtre, puis peut-être de garder les rideaux ouverts pour regarder dehors. Ça aussi, ça fait du bien, ça nous aide avec ça. Si on en garde par rapport au stress santé mentale et le stress, ben il y a une relation positive entre la santé mentale et le stress. Puis quand on subit un stress négatif, puis qu'on n'est pas capable on n'est pas en mesure de gérer correctement, ça va nous entraîner une mauvaise santé mentale. Puis comme on l'a déjà mentionné, le bon stress, ça existe. Puis ça est capable de créer une bonne santé mentale parce que ça nous donne de l'énergie, ça nous motive à faire des choses. Puis dans certaines situations, un bon stress peut nous inciter à nous concentrer quand on est en train de faire une tâche ou prendre des mesures nécessaires pour résoudre un problème. Ça nous aide. Comme ça, le stress est gérable, puis un stress qui est gérable, ben, c'est utile. On a besoin de ça aussi. Quand une personne subit un stress inutile, ben, elle peut se sentir dépassée, peut-être avoir l'impression qu'elle n'est pas capable de résoudre ses problèmes. Puis ça va amener cette personne-là à éviter les problèmes. Puis c'est pas ça qu'on veut parce que si on les évite, ben, ils vont devenir plus importants. Ça va avoir des effets négatifs sur notre santé mentale parce que on aura de la misère à se concentrer, à prendre des décisions, puis à se sentir en confiance face au stress. Puis, à quoi est-ce que c'est que ça ressemble, ça? C'est un sentiment d'anxiété, de peur, d'incertitude, d'impatience. Quand on se sent surchargé, toujours en train de rattraper le temps perdu, on court après le temps. Des fois, on part des maux de tête, on a mal au dos, on a des problèmes d'estomac, nos muscles se resserrent, puis on a constamment des rhumes et des grippes, on ne peut pas s'enclairer, on devient colérique. Un petit peu plus colérique, on est distrait, on commence à abuser du café, on boit deux, trois cafés, si on avait l'habitude d'en boire deux, là on est rendu à quatre, cinq, de la nourriture, des cigarettes, de l'alcool, ça peut être des drogues aussi. Fait qu'à un moment donné, là, on commence à avoir des problèmes de santé, comme par exemple le diabète, l'hypertension, par des ustensiles, le cholestérol, puis on fait face à un changement d'attitude, puis ça peut venir encore plus négatif. Fait qu'on peut souffrir d'insomnie. Puis ça, c'est pas motivant. Puis c'est un risque évident de notre santé puis de notre bien-être. Fait qu'il est important de noter que tout le monde, c'est pas tout le monde qui va avoir ces symptômes-là. Parce que le stress, on sait que ça l'affecte les gens différemment. On est tous affectés. Il y en a des gens qui peuvent vivre beaucoup de stress, puis d'autres qui peuvent en vivre très peu, puis ça va les submerger. Il y a des gens qui ont des grandes tolérances au stress, mais le stress néfaste, c'est pas bon. Quand on regarde au niveau des stress dans notre vie personnelle, qu'est-ce qui peut être à l'origine des stress? On parle des finances, on parle des relations aussi, si on a des relations qui sont chaotiques, des changements. Quand on parle de changement, c'est difficile pour la plupart des gens. Tu sais, si on change de travail, on change de communauté, qu'on change de place. Ça fait que ça peut être aussi des enfants qui s'en allent à l'université, ça fait que le syndrome du nid vide qu'on appelle, fait que ça c'est des choses qui se passent. Au niveau du
au niveau des demandes, les exigences qu'on a en face, contrôle, les ressources. Est-ce qu'on a des ressources assez alentour de nous? Est-ce que j'ai un bon réseau de soutien aussi? Est-ce que j'ai du contrôle? On a nos parents vieillissants aussi. À ce temps, les parents vieillissent beaucoup plus longtemps. Puis aussi, nos parents, ils veulent garder leurs autonomies, puis ils veulent rester chez eux le plus longtemps possible. Fait que ça aussi, ça peut créer un stress aussi chez nous autres. Puis des fois, c'est on garde nos parents, puis aussi, on a nos enfants. Ça fait qu'on est pris comme entre les deux aussi. Ça fait que ça nous impose aussi du stress supplémentaire. Le soutien, faire sûr qu'on a un bon réseau de soutien à l'entour de nous autres, on est bien soutenu, qu'on a un réseau social aussi culturel. Souvent, on a tendance à vouloir les choses, de faire les choses du autre-même, puis des fois, ça peut venir extrêmement lourd. C'est peut-être qu'il est bon d'avoir quelqu'un où qu'on peut déléguer certaines choses aussi. Si on en garde, que pensez-vous pouvoir faire pour réduire votre niveau de stress? Bien, c'est ça, identifier le problème, c'est vos travail, votre étude, votre relation avec quelqu'un, vos soucis d'argent, c'est tout ça. Résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. T'sais, si quelque chose arrive, bien, peut-être si on peut le régler tout de suite, essayer de le régler tout de suite, pas de le mettre au lendemain parce que sinon il va embarquer puis il y a d'autres choses qui vont embarquer. Parlez à quelqu'un des problèmes que vous vivez. Ça va aider. Ça aide énormément. Quelqu'un qui est là pour vous écouter, qui est là pour vous épauler, vous aider. D'essayer peut-être de simplifier sa vie aussi. Ça aide aussi de simplifier sa vie. Parce que le stress, il peut surgir quand il y a trop de choses qui se passent. Puis apprendre à dire non, là, c'est une véritable compétence qui demande de la pratique. Mais c'est important de dire non. Et pas toujours dire oui parce que des fois on peut se mettre se surcharger. Puis ça peut être aussi de commencer par l'intérieur. C'est des pratiques comme le yoga qu'on est capable de faire, de la méditation qu'on est capable de faire nous autres. Envisager les problèmes d'un point de vue plus calme, plus équilibré. Puis c'est sûr qu'avec la temps, si qu'on a de la pratique, ça peut nous aider à gérer les situations qui sont stressantes, qui se présentent aussi. D'être actif, on ne dira jamais assez, être actif. Faites les choses que vous aimez faire. Ça aide aussi. Quand on va et on fait quelque chose qu'on aime faire, on est fier de nous autres, fait que ça aide énormément. Fait que ça réduit les tensions, ça réduit le stress. C'est important à faire. Si on regarde le bien-être dans son ensemble, c'est vrai que c'est important. T'sais, le sommeil, de bien manger, se détendre, mon Dieu, se détendre. On a besoin de ça. Okay? Il existe différentes façons de réduire ou d'éliminer le stress. Par exemple, s'il y a une situation qui vous cause du stress, on peut peut-être la quitter, décoller de là complètement. Il y a d'autres exemples, comme les gens qui ne dorment pas assez, ils disent qu'ils meurent à un âge plus jeune. Fait que c'est important le domaine, le sommeil aussi. Puis il y a des gens qui souffrent d'apnée du sommeil puis qui ne sont pas conscients de ça. Moi, j'avais ce problème-là, puis je ne dormais pas les nuits. Je me réveillais souvent. Fait que j'ai été passer le test, puis dans une heure, je pouvais me réveiller. J'arrêtais de respirer 56 fois dans une heure. Bon, mais donc, je me réveillais souvent. Des fois, pas complètement réveillée, mais ça mon sommeil n'était pas bien depuis le temps que j'ai la machine. Mon Dieu, ça fait du bien, je dors beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Puis des fois, les gens ne sont pas conscients qu'ils souffrent d'amener du sommeil. Les signes que vous ne donnez pas assez, si vous dormez moins que 7 heures, puis on dit qu'il y a juste à peu près 2,5% d'entre nous autres qui ont besoin de moins de 7 heures par semaine. Fait que c'est pas beaucoup. Fait qu'on a besoin de dormir un bon 7 à 8 heures par semaine. Faire des activités agréables qui sont significatives. Des choses qu'on aime. Éteindre le téléphone en tout temps. D'avoir le téléphone toujours ouvert, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. T'sais, puis aussi les gens qui dorment trop longtemps. C'est pas bon ça non plus. Fait qu'il faut essayer de viser quelque chose qui est régulier. T'sais. Fait que ça, c'est important. Quand je disais par rapport au textage puis tout ça, peut-être d'éteindre le téléphone, ça fait du bien aussi.
si on en garde pour développer le bien-être mental, gérer le stress, faire d'exercice régulièrement, d'avoir une alimentation saine, améliorer l'estime de soi, s'adapter aux changements, puis on a envie des changements tous les jours. Moi, je me dis tout le temps, il faut toujours qu'on soit comme un roseau et non un peuplier, parce que le roseau, il va aller avec le vent. Tandis que le peuplier, si le vent vient, il va casser. Fait que toujours être avec le roseau. Gérer ses émotions aussi, de connaître nos émotions aussi quand que je vis de la colère, je vis de la tristesse, quand j'ai de la joie, de connaître ces émotions-là. Trouver une paix intérieure, dormir suffisamment, construire des relations positives, développer un réseau de soutien solide, donner et recevoir des compliments. Souvent, les gens ont de la misère à recevoir des compliments. T'sais, on dirait qu'on va dire à quelqu'un, oh mon Dieu, j'aime ton chandail, puis on dit, oh mon Dieu, ça fait comme un an que j'ai ça dans le garde-robe. Non, c'est pas ça que je voulais savoir. Je trouve qu'il est beau, ton chandail. T'sais, on peut juste dire merci. T'sais. Juste ça, c'est tout. Merci. T'sais. Ou je suis contente que tu l'apprécies, moi aussi, je l'aime beaucoup. T'sais, des choses qu'on peut faire comme ça. D'accepter, parce que quand on donne un compliment, on le donne avec cœur. En tout cas, moi, je le donne avec cœur, un compliment. C'est rare que quelqu'un nous donne un compliment puis il n'en est pas conscient. Impliquez-vous dans votre communauté. Faites des choses, puis là, je pense plus que jamais, on a besoin, des gens ont besoin d'aide, se détendre. Ça, c'est une des choses qu'on a besoin de faire, c'est d'être capable de se détendre. Si on regarde, oh mon Dieu, j'ai sauté par-dessus quelque chose. Non, je pense que j'ai tout fait ça. Mon Dieu. Oui, la fiche est restée. Oui, c'est ça. Ben, je pense que j'ai tout passé à travers de ça au niveau d'avoir une capacité d'adaptation, d'être capable de s'adapter aux changements, des choses comme ça. Ouais. Tout ça s'en vient bien. Bon, mais c'est parfait, j'ai tout fait ça. D'être capable de gérer son temps. Bon, mais c'est ça, c'est la fin de ma session. Ça fait que je vous dis un gros merci d'avoir été avec moi ce soir. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Ça fait que c'était vraiment plaisant. Je m'avais dit que ça durait 1 heure, puis je vois que je regardais l'heure, puis je me dis, OK, faut pas que j'aille trop loin. Fait que je vous dirais merci. Si vous avez des questions, peut-être que je peux aller voir, c'est qu'il y a des questions par rapport à ça. Si vous avez des questions, là, ça a l'air que je ne vois rien du tout. Bon. Mais si vous avez des questions, mon nom est là, Cécile Goulette, l'Association canadienne de la santé mentale du Nouveau-Brunswick. Mon numéro de téléphone, je ne suis pas à mon bureau physiquement, mais je vérifie mes messages à tous les jours. Fait que si vous voulez me laisser un message ou si vous voulez m'envoyer un courriel, c'est cecile.goulette@commercialgnb.ca. Fait que vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je vais répondre à votre courriel, c'est sûr. Fait que c'est ça, c'est les références que j'avais par rapport à l'Association canadienne pour la santé mentale. C'est là que j'ai pris mes informations. OK, j'ai pas de questions. Non. OK, parce que vous pouvez mettre des questions si vous avez des questions, ou si ça a bien été, puis vous n'avez pas de questions, ou si vous avez des commentaires aussi, vous pouvez les mettre là-dedans aussi. Puis après la présentation, quand je vais fermer la présentation, et vous allez avoir un sondage qui va apparaître, un petit sondage. Ça fait que j'aimerais beaucoup que vous le remplissiez, puis que vous l'envoyez. Nous autres, ça va nous aider énormément à la CSM à s'améliorer, puis peut-être à développer d'autres sessions que vous aimeriez assister à. Puis aussi, je vous invite d'aller sur le site internet de Semaine de la santé mentale. Parce que cette semaine, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Puis, on a beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent sur les réseaux sociaux. Parce que cette année, le thème, c'est les réseaux sociaux. Puis, je vous dirais, le Facebook, allez visiter le Facebook de la CSM, c'est acsmfacebook.com, je pense. Puis, il y a plein de. Puis, vous pouvez vous inscrire à d'autres webinaires aussi là-dessus. Il y a aussi le site de la CSM que vous pouvez aller vérifier pour aller chercher des informations là-dessus aussi. Puis, il y a le hashtag
parler ouvertement ou parler, mon Dieu, parler de vos émotions, parler de ce qu'on vit. Fait que ça, vous pouvez parler aussi parce qu'on veut parler des vraies choses. Tu sais, des fois, on se rencontre, on dit, oh, comment ça va? Oh, moi, ça va bien, merci. Tu sais. Puis des fois, vraiment, ce qu'on voudrait dire, c'est comme, hey, ça fait 2 jours que je ne dors pas, puis, ou, tu sais, je m'inquiète pour mon travail, je m'inquiète pour ma mère, je m'inquiète pour mon père, puis, ou des choses comme ça, je m'inquiète pour les enfants, ou, tu sais, mais on ne dit pas ces choses-là, on dit juste ça va bien. Mais là, c'est de prendre le temps. Puis quand on dit quand on répond à des formalités comme ça, là, que je vais bien, c'est qu'on perd une occasion de tisser des liens avec une autre personne. Tu sais, des fois, ça fait du bien, puis ça soulage de parler de c'est quoi je vis vraiment? C'est quoi c'est que je veux vraiment dire? Puis la campagne cette année, c'est ça, de dire vraiment qu'est-ce que c'est qu'on ressent pour ça. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, une belle fin de semaine, puis bonne fête des mamans aussi, à toutes les mamans qui sont là. Fait que puis en fin de semaine, prenez le temps de jouer, prenez le temps de rire aux éclats, de rire jusqu'à temps que vous avez mal au ventre, que vous avez mal au mâchoire. Ça fait que ça fait du bien. Puis sur ça, bonne santé mentale. Bonne soirée.